En provenance de Strasbourg, nous atterrissons à Athènes et nous nous rendons à la marina d'Alymnos où nous attend notre voilier. Pour notre première étape dans les Cyclades, nous partons d'Athènes et après quelques haltes dans les îles de Kéa, Kytnos et Sérifos, nous ferons notre première grande escale à Sifnos. Les îles grecques, gorgées de soleil toute l'année, offrent des vacances paradisiaques hautes en couleurs et en saveurs. C'est dans cet environnement que Soleil Bleu vous emmène en navigation en mer Égée, au départ d'Athènes, en faisant escale sur de nombreuses îles dispersées entre la Grèce continentale et la Turquie. En route, nous rencontrons souvent nos amis les dauphins. Une croisière réussie est aussi une ambiance à bord, des occupations malgré le confinement dans un espace très réduit. Nous arrivons à Sifnos, l'île la plus authentique des Cyclades. L'anchois que nous préparons juste salé, ensuite du citron, un peu d'huile d'olive, et pour Francis, un vin sucré de Samos, et pour les filles, du strong de l'ouzo local. Cette île d'agriculteurs et de pêcheurs est connue pour ses plages et ses eaux cristallines où il fait bon vivre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'assister à un mariage traditionnel grec.
Dans les eaux cristallines et chaudes, il est très agréable de plonger et de ramasser des coquillages qui agrémentent notre quotidien. Et des grosses bombonesses. Nous quittons Sifnos, faisons escale à Paros et à Morgos pour terminer notre premier épisode de navigation sur l'île de Levita. Ah, Nathalie. Oui, je sais pas. C'est bon, bon appétit. Si, mais... ça c'est bon. Et avant, jus d'orange. Moi, j'ai déjà bu, ça c'est sûr. Ah, d'accord. Levita, île de 7 km de long et 4 km de large, est un excellent abri pour les bateaux qui traversent la mer Égée en direction du Dodécanèse et de la Turquie. Entourés par d'autres plaisanciers, nous sommes presque seuls au monde. Et c'est ce petit caillou que nous allons vous faire visiter. Les dinghies, là, ils sont de la vie. Le fond, comme ça. Voilà. Hop. Ça va, ça va. Il est foutu là-bas. Attache-la. Attache-la, Nath. Oui, t'es visto. Voilà. Allez, Daniel. Ça va jusqu'à la bouée là-bas. Oui, faites un petit exercice pour... Déjà, tu tiens pas bien ça. Oui. Là, voilà. Si je fais ça, moi, je tourne. Et tu laisses faire tout ça. Allez, mon loulou, on n'est pas arrivé pour faire pipi, là. Tu fais quoi là? Je suis quand même souple. Hein. Cette île est habitée par une seule famille dont la principale occupation est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Regarde les enfants qui prennent là. Ça va bien venir.
2 kilos. Ok. Nous profitons de l'arrivée des pêcheurs pour leur acheter en direct notre prochain repas. Deux belles dorades que nous dégusterons ce soir. Petit. Allez, on plonge! Je demande pour être ami, on va voir s'il répond. J'ai fait la natation synchronisée! Ah, ça c'est bon! Ah bonjour, t'as pas la vitamine? Moi non, mais bon, après t'as plein de gens. En tant qu'Alsaciens, nous ne pouvions pas nous passer d'un bon wurst salade. La tête pleine de souvenirs, nous repartons de Lévita, petite île magique, en direction des îles du Dodécanèse, face à la Turquie.